Et pour les Échos de Québec, dans la campagne fédérale, je retrouve Martin Croteau, correspondant pour la presse sur la colline parlementaire à Québec. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Esther. Normalement, les premiers ministres du Québec se gardent une certaine réserve pendant les campagnes électorales fédérales, mais là, vraiment, François Legault se livre à une charge à front de train, une sortie en règle contre Justin Trudeau. Quelle est la stratégie derrière ça? Pourquoi au juste? Bien, effectivement, c'est un petit peu inusité. Normalement, les premiers ministres du Québec, ils se gardent une petite gêne pendant une campagne fédérale. Ce qu'ils vont typiquement faire, c'est dresser une espèce de liste d'épicerie, énumérer les projets là, qui sont importants pour leur gouvernement et demander à chaque parti de prendre position. Là, c'est pas du tout ce qu'on a vu là, de M. Legault hier. M. Legault a fait une sortie en règle contre M. Trudeau, qui s'était présenté en quelque sorte comme le champion du combat contre son projet de loi 21 sur la laïcité. Donc, on devine que ça, c'est quelque chose que M. Legault n'a pas du tout apprécié. Lui qui, dès le début de la campagne, avait appelé tous les candidats à l'élection fédérale à s'engager à ne pas participer à une contestation judiciaire de son projet de loi sur la laïcité, qui est très populaire au Québec, mais très controversé au Canada anglais. Donc, sortie en règle hier de M. Legault contre M. Trudeau. Il en a rajouté aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que la laïcité, c'est devenu autant de patates chaudes pour les candidats à l'élection fédérale? Effectivement, je me répète, mais c'est ça. L'ennui, c'est que c'est très populaire au Québec. Là, on parle d'un appui d'autour de 70 % dans les sondages, et c'est très impopulaire au Canada anglais, où plusieurs considèrent que c'est une loi qui est discriminatoire. D'ailleurs, la journaliste, ma collègue Altiérage, a fait une certaine controverse ici au Québec lorsque, là, dans le débat en anglais, elle a, dans la prémisse de sa question, affirmé que le projet de loi 21 était discriminatoire. Donc, on voit un peu le fossé qu'il y a entre le Québec et le reste du Canada. Et pour des chefs fédéraux en campagne, bien, c'est une méchante patate chaude parce que ce sont tous des partis qui veulent soit conserver leur siège, soit faire des gains au Québec. Et en même temps, ils ne veulent pas se mettre à dos l'électorat du Canada anglais qui, lui, n'aime pas du tout ce qui se passe politiquement au Québec. Donc, c'est un peu le grand écart pour chacun de ces chefs fédéraux. Oui, c'est rare qu'un premier ministre se lance comme ça dans une attaque contre un candidat à l'élection fédérale. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour M. Legault et pour M. Trudeau? Bien, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, à leur façon, et M. Legault et M. Trudeau prennent un risque. C'est-à-dire que M. Trudeau prend un risque en se positionnant, en laissant la porte ouverte à appuyer une contestation judiciaire du projet de loi 21, sachant très bien que c'est un projet de loi qui est très populaire au Québec et qui a l'appui d'une majorité de Québécois. Donc, il fait le pari que les Québécois vont l'élire, même si sa position sur la laïcité n'est pas très populaire ou en tout cas ne rallie pas une majorité de Québécois. Et pareillement, bien, M. Legault, lui aussi, il prend un risque là-dedans. Parce que si M. Trudeau est réélu le 21 octobre, est-ce que ça risque d'être plus difficile pour M. Legault de le convaincre d'appuyer certains de ses projets? On sait que M. Legault a quand même une certaine liste d'épicerie face à Ottawa. Il souhaite, par exemple, un rapport d'impôt unique. Il souhaite obtenir d'Ottawa le contrôle là, du programme de réunification familiale, qui est un programme d'immigration. Donc, M. Legault a des demandes au gouvernement fédéral. Donc, est-ce que ces demandes, est-ce qu'il prend un risque, pas, est-ce qu'il prend un risque lui aussi en faisant une sortie en pleine campagne électorale contre M. Trudeau, sachant très bien que ces propos vont avoir un impact sur la campagne fédérale. Oui, en fait, j'allais vous demander, est-ce que cette sortie-là de M. Legault, finalement, ça va venir clore le débat sur la laïcité? En fait, ce serait surprenant, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'en doute fort, puis d'ailleurs, on va le savoir dès demain soir, puisqu'il y a le deuxième débat en français. On se souvient que M. Scheer avait été placé sur la défensive lors du premier débat lorsqu'il avait été question d'avortement. Maintenant, est-ce que M. Trudeau, qui s'est présenté comme le champion du combat contre la loi 21, pas plus tard que lundi soir, est-ce qu'il va, comment va-t-il défendre cette prise de position, ou en tout cas cette manière de présenter sa position lors du débat face à ses adversaires? On s'attend bien entendu à ce que M. Scheer, qui n'a pas eu la performance qu'il souhaitait avoir au premier débat, et M. Blanchet, qui est à l'offensive au Québec, on peut s'attendre à ce que les deux vont le talonner sur cette question-là.
Oui, on va sûrement discuter, on peut s'attendre à ce qu'on discute d'identité demain soir dans ce débat français, puisque l'immigration et l'identité font partie des thèmes. Donc, on va parler de la laïcité. Martin Croteau, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bonsoir.